Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Myriam. Salam. Aujourd'hui, vidéo assez particulière. Vous devez tous savoir, la famille, maintenant, si vous passez ou pas l'année prochaine à l'école. Parce que là, on est à la fin de l'année, vous avez dû recevoir des courriers ou quoi. Nous, en tout cas, on a reçu le courrier pour Myriam pour savoir si elle passe ou pas. Tu penses que tu passes ou pas? Bah ouais, logique, je suis trop intelligente. J'espère pour toi. On va essayer de voir ensemble si Myriam elle va passer ou pas. Mais avant, on va aller retrouver Younes. C'est parti. Allez, démarre là. Pourquoi il démarre pas? Y a jamais personne qui veut m'aider dans cette bague. Pourquoi démarre pas? Non, il y a Younes là-bas. Ah ouais. Je vais lui annoncer, je vais lui passer l'enveloppe. Mais est-ce que t'es sûr que tu passes à 100%? Je sais pas moi. J'espère que tu passes parce que si tu passes pas, ça va barder pour toi. T'es sûr? Oui, je suis normalement, je suis sûr. Ok. Younes, tu fais quoi? Bah, je fais quoi? J'essaie de démarrer la moto, frère. Et vous faites quoi? Pourquoi vous m'aidez pas? C'est pas bien. Vous allez dans la salle depuis tout à l'heure. Ce matin, j'essaie de la démarrer. Elle a démarré une fois. Et après, je sais pas. Toi, y'a quoi? Non, non, y'a rien. Ouais! Ouais! Non, mais vas-y, à chaque fois, fais ça! J'en fais plus. Non, je vais claquer tout. Vraiment, sors, vas-y, sors. Si c'est pas pour m'aider, sors. Alors, on peut pas lui dire, il est grave énervé. J'ai vu, il est en train de régler les problèmes de la moto. En plus, la moto, elle a un problème depuis je sais pas combien de temps. Dire, c'est pas le bon moment pour lui dire. Là, il faut détendre l'atmosphère. Convainc-le pour aller au speed park, s'il te plaît. Moi aussi, j'en sais. Speed park? Vas-y, d'accord, vas-y, on va essayer d'aller au speed park. C'est vrai qu'au moins, il va être un peu plus généreux. Vas-y, va ranger l'enveloppe, on lui donnera à la fin de la journée. Mais je vais faire de la moto, il fait grave beau. Mais tu veux pas plutôt qu'on se détende tous ensemble, on va au speed park, on va une activité, on va au parc Astérix, je sais pas. En plus vous, si vous faites de la moto, moi je pourrais pas en faire et ça se fait pas. Bon vas-y tranquille, on va faire ton speed park, je vais l'arranger, j'arrive. Yacine et Myriam, vous allez faire un 1v1. Toi t'as la team rouge, toi t'as la team violette. Myriam, ton but, c'est de toucher des cibles. 1v1 les gars, on va voir qui va gagner. Myriam elle va l'éteindre ça. Oh la feinte. Oh la feinte. Bien joué. Attention la frappe. Oh il l'a arrêté. Ouais, je t'ai mal, il fait quoi? Oh il a mis la tête. Oh lolo 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 lo. 1-0 pour Yacine. 1-0. Myriam en 1v1, va-t-elle prendre sa revanche égalisée? Accès, ok, allez Kouchi. Oh elle y est pas, elle y est pas. Prends la balle, prends la balle, prends la balle. Elle peut égaliser les gars, elle peut égaliser. Bien joué. Allez hop, 1-1. Égalisation. Myriam s'il te bat c'est fini hein, s'il marque. Wesh, wesh, wesh. Wesh, il met la balle au sol. La frappe. Oh ça passe à côté. Accélère-le, accélère-le, accélère. Attends, oh, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, fini! Oh là là, la victoire de Myriam! La célébration de Myriam, la victoire! Myriam, on va faire une course toi contre moi. On va voir si tu peux me battre au Ninja Warrior. T'es vieux, tu cours pas vite. Quoi? Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Wesh, 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 wesh! Accélère, Myriam, accélère, accélère, accélère! Dépêche, 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 Myriam! Dépêche! Et c'est parti! Oh le malade mental! Accélère, accélère, Myriam, accélère! Allez, Myriam, dépêche, dépêche, dépêche! Dépêche Myriam. Oh là là là, il l'a déjà rattrapé. Accélère Myriam, accélère-le, accélère-le. Non, faut pas passer à deux. Oh, oh, ok, moins un pour Yacine. Quoi? Yacine, tu reviens, Yacine, tu reviens. Là-bas, tu reviens là-bas. Tu reviens au mur. Où ça? Tu reviens au mur, tu vas toucher là-bas. Dis Myriam, accélère, accélère, tu peux gagner. Tu peux gagner Myriam. Ok, c'est impossible de passer dans ça, Younes. Ok, accélère. Bien joué. C'est les gars Myriam qui va peut-être gagner. Fais gaffe, il arrive, il arrive, il arrive. Tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Tape, tape sur le buzzer. Ok. Non, faut descendre. Non, faut. Non, mais non, là. Bah, descends, Myriam, sans te faire mal. Lâche-moi, dégage. Wesh, 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 wesh. Ok, bien joué. Eh, hey, t'as mis une soupa parce que toi, t'es un tricheur. Pourquoi? Tu m'as dit de revenir taper le mur. Mais t'es tombé. T'es fait éteindre par Myriam. Moi, je vais pas me laisser faire. On va faire un 1v1 au basket. On a 3 coups chacun. Si tu mets plus de PD, il gagne. Oh là là, 3 coups chacun, vas-y. Pas droit de dépasser la ligne de ce. Myriam, tu commences. Myriam, elle a le droit de tirer là où elle veut parce qu'elle a pas la même force que toi. Regarde le panier, comment il est haut. Ok, Myriam, la première frappe. Ok, c'est bon. T'es avec elle en fait. C'est bon pour Myriam. Toi, t'es avec elle. Non, je suis pas avec elle. Toi, ça vaut double vu que t'es plus loin. Aïe, 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 aïe. Myriam peut finir le game. Yes, c'est raté. Ok, attention, la frappe pour Yacine. Super long, Yacine, les gars. Ouh. Si tu marques pas et il marque, c'est fini pour toi. Oh, elle a craqué. Il faut l'accepter, il faut l'accepter. Myriam a été plus fort que toi aujourd'hui. J'ai redoublé tout. Ouais, moi j'ai redoublé le CP. Ah ouais? En gros, moi quand j'étais en CP, je savais pas trop lire et je faisais les S et les Z à l'envers. Bah, en gros, les amis, au lieu de faire des S comme ça, moi je faisais des S comme ça à l'envers. Et pareil, au lieu de faire des Z comme ça, je faisais des Z comme ça. Ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés. Hein. La box wifi de ton cerveau elle est cassée ou? Après, j'avais été à l'orthophoniste. Oh, l'orthophoniste, trop bien. Est-ce que t'as pleuré et tout quand t'as redoublé? Non, j'ai pas pleuré. La directrice elle est venue me voir, elle m'a dit: Yacine, l'année prochaine tu vas refaire une année en CP. Et moi j'ai fait ça. Oui, d'accord.
D'accord. Et maman et papa, ils ont dit quoi? Bah, ils ont dit, il faut que tu redoubles pour apprendre. C'est même eux qui m'ont dit de redoubler carrément. Mais si un jour je redouble, c'est pas grave. Bah, si c'est par rapport à tes difficultés à l'école, c'est pas grave. Mais si par contre c'est pour ton comportement ou à cause des vidéos, là c'est grave. Le speed park s'est très 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 bien passé. Maintenant faut qu'on continue à le mettre de bonne humeur. Pourquoi on peut lui dire des compliments? La bouffe! Ben oui, Younes il kiffe la bouffe! Myriam, j'ai une bête d'idée. On va lui faire un plateau surprise à Younes, comme ça on va le mettre de bonne humeur. Premier article, regarde! Des fraises, oui, des fraises à gazette. J'en prends une. Regarde, il y a un bocal à l'intérieur avec des trucs de ouf. Ah ouais. Oh lolo, ça c'est la base. Attends, les barres d'esquic au chocolat les amis. Mais on va en mettre deux. Mais si je redouble, je finis top hippo en fait. Mais pourquoi tu parles redoublement? Tu me dis depuis tout à l'heure tu passes. Bah je sais pas moi. Regardez, il s'est lâché quoi quand je vous dis qu'il est fou, c'est qu'il... Attends, t'as eu combien ton dernier contrôle? Pourquoi tu rigoles? Il va avoir peut-être 17, 18. Non mais toi t'es en train de préparer quelque chose de pas bon là. Non, c'est quoi ça? Wesh. Ça c'est... Ça sert à quoi? Je sais pas du tout. C'est peut-être pour s'occuper des enfants qui redoublent. Non, s'il te plaît, viens, lui dis pas, en fait, viens, lui dis pas. On va jouer à Fortnite. Pourquoi tu cries comme ça, frère? Oh, ici dans ma chambre. T'es fou, toi. Mais il y a une mise à jour, regarde, il y a une mise à jour. Et toujours quand tu veux jouer, des mises à jour, je comprends pas, regarde. 21%, on peut pas jouer. Younes, j'ai un cadeau pour toi. Non, mais tu sais très bien, Myriam, que je peux pas manger ça, ouais. Bah, c'est un cadeau. Je suis un sportif. C'est pas grave, tu manges après, tu fais du sport. Younes, vas-y, arrête de dire n'importe quoi. Regarde comment t'es bien, machallah. T'as des gros bras, t'as des abdos, t'es sportif, tu peux te permettre un petit peu, c'est rien. Tu penses vraiment ce que tu dis? Bah oui. T'es pas un gros. Mais non, t'es pas un gros. Tes abdos, ils ressortent, t'as des gros muscles. Wesh, enfin, vous l'avouez. Oh, attends, redis-le bien vite fait. T'as des abdos, t'as des gros muscles. Moi, Younes, code familia. Oh, mais merci. Balaklaoufekoum. Non, tu peux te rasseoir. Ouais. Et toi, je te commande un fast-food ou un Uber Eats? Non, Younes, j'ai pas trop faim. En ce moment, je veux pas manger de gâteau. Je préfère manger des légumes. J'ai un œuf dans le ventre. Je me suffis pour moi des légumes. Vas-y, les frères. Vas-y. Fortnite plus un plateau repas, les amis. Des petits bonbons tagada. Vas-y, bien vu les frères. Une petite boisson la prochaine fois, ce serait cool. Balaklaoufekoum. Ah, ouais. Une petite boisson. Attends. J'ai quoi sous la main? Tiens, j'ai ça, c'est de la grenadine. Il y a de la grenadine dedans. Je te conseille pas de boire. Je vais boire. Y'a quoi? Je te conseille pas de boire. Ah, c'est de l'eau périmée, je crois. Pas l'eau. L'eau ne se périme pas, c'est comme le miel, c'est à durée indéterminée. Et c'est quoi ça du coup? Non, c'est rien, t'inquiète. Ça a l'air d'être de l'argent, ça. Non, tu me caches quoi, Myriam? C'est rien. Oh, salut, mais pourquoi tu lui as pas donné la lettre? Parce qu'il est pas assez heureux encore. Mais là, tu peux pas être plus heureux, c'est pas possible. Mais pourquoi tu veux qu'il soit heureux? De toute façon, tu vas pas redoubler, t'as dit que t'as tué passer. Bah, on sait jamais. Comment ça, on sait jamais? Bah, c'est 50-50, c'est 50-50. Je sais pas si je passe ou si je redouble. Toi, j'espère que tu me caches pas des choses. Au pire, si tu redouble, Younes, il va bien le prendre, je pense. Non, impossible. A few moments later. On fait quoi? C'est toi? C'est moi qui l'annonce? Lui annoncer, il faut qu'on trouve quelque chose là, parce que là, ça me retarde la chose, et plus on retarde, moins c'est bien. J'ai une idée. T'arrives, tu lui fais des compliments, après moi je glisse la lettre. Non, moi j'ai une meilleure idée. Viens, on va lui annoncer comme ça. Il va te mettre une sauce, que tu redoubles ou que tu redoubles pas, tout passe dans la vie, Myriam. Tu lui bandes les yeux pendant quelques minutes. Non, allez, prends ton courage à demain et viens, on y va. Allez, on y va. J'allais regarder Netflix, t'as un truc à faire. Mais pourquoi faire? Je vais m'asseoir pourquoi? Yacine, pourquoi vous? Y'a quoi? On a besoin de te parler, assieds-toi, Younes. Vous voulez vous marier, vous voulez aller au parc Astérix, qu'est-ce que vous allez me raconter encore? Tu sais qu'Younes, là c'est bientôt la fin d'année. Oui, c'est la fin d'année, c'est bientôt les vacances. Je sais pas où on va, je sais pas, je suis pas ton père. Va voir papa, va voir maman, je sais pas. Et pourquoi pas la Tunisie? Tu sais que à l'école c'est la fin de l'année et tout, à la fin de l'année il y a quoi? À la fin de l'année, bah il y a le goûter. Ah, tu veux que j'aille t'acheter des boissons et tout? Non. Le bulletin. Le bulletin. Pour savoir si tu passes ou tu redoubles. Ah ouais, si tu redoubles. Vas-y Myriam, arrête de tourner autour du pot, montre-lui. C'est ça la lettre? Ouais. Non, en direct live, on va découvrir si Myriam est pas sur redouble. Ouais. Incroyable, les gars. Allez, c'est parti. Tu pronostiques? Moi, je pronostique, je passe. Dans la famille, c'est que des génies, machallah. Dites machallah. Yacine, il a redoublé. Yacine? Oui. Oui, mais ça, c'était en CP. On était en année 2000. Je sais plus. Si, on était en 2004. C'est rien si je redouble. C'est la même chose que Yacine. Ah non, par contre, il n'y a pas de redoublement qui se passe ici. Mais vraiment, faut être sérieux. Par contre, quand c'est l'école, faut pas rigoler. Ouais. Alors, CM1, c'est parti. Alors Myriam, redoublement. Quoi? Redoublement exceptionnel envisagé suite à la décision du chef d'établissement. Les résultats sont trop justes dû à un manque de concentration en classe. Non, mais là, il y a marqué un manque de concentration en classe. Tu fais quoi en classe? Tu bavardes? Tu fais quoi? Yacine, vous m'avez pas dit ça? Mais moi je savais pas, Younes, la lettre elle était fermée. Son activité extrascolaire sur les réseaux sociaux l'empêche de se développer correctement. Il faudra des changements l'année prochaine. Mais comment ils savent que tu fais des vidéos? Bah tout le monde le sait, quand t'as mis, c'est connu partout. Ils disent qu'à cause de ça, tu redoubles à cause des vidéos?
Bah je sais pas. C'est quoi ce délire là? Oh Younes, on a fait une dinguerie là. Ça c'est obligatoire que tu redoubles. Attends, t'as pas travaillé à cause des vidéos. Mais pourtant les vidéos on les fait le mercredi, samedi, dimanche, ça a rien à voir avec l'école. Tu vas passer une année de plus en CM1. Ils te disent que tu redoubles à cause des vidéos. Au niveau des notes, ça va, t'es pas bête, tu comprends ce qu'ils te disaient. Oui. Mais pourquoi il y a marqué redoublement? Non, on va maintenant, tu redoubles pas. Hein. Nous souhaitons formuler un recours à la... On va prendre une commission le 18 juin. Mathématiques, j'ai du mal. Si papa et maman, ils savent qu'à cause des vidéos, tu redoubles. On est fini! On va dire non, on va contester, on va. Oh, c'est une dinguerie, les gars, on a fait une dinguerie là, pourquoi? Oh là là! Donne-moi ça! La fin d'année s'est passée grave vite, pourquoi c'est maintenant? Après, c'était sûr aussi, pourquoi elle fait des vidéos? À cause de toi, Younes, hein. C'est... Donc, à cause des vidéos, on fait tous ensemble, vous êtes bien contents! Ça tourne pas, elle redouble, c'est de ma faute! Bah, vous savez quoi? On va tout arrêter, d'accord? Tout ce qui est réseau, on arrête tout! C'est une blague là, Yacine, tu es en train de faire quoi là? Comment ça c'est un prank? Arrête de danser là, tu redoubles, espèce d'andouille. Pendant que tout le monde, ils vont aller en vacances. Mais c'est un prank de quoi? Il y a marqué que tu redoubles. Mais c'est un prank, mais c'est non, une fausse c'est lettre. C'est une fausse lettre, on a fait une fausse lettre. Calme-toi frère, c'est un prank. On t'a encore eu, c'est moi le boss des pranks. Et du coup, bah Myriam est pas censée CM2 là. Je suis pas censée CM2, tu vois, je suis pas bête. Les réseaux sociaux, ça impacte sur votre vie, on va aller. Salam alaikum, hein. Salam alaikum. Elle est où la vraie... Elle, c'est où pour dire que tu passes? Il est où le vrai document? Je l'ai donné à la maîtresse. Wallah. Wallah. Wallah, tu passes en CM2. Wallah, je passe en CM2. Courez. Oh, Myriam, on est mort. Tu vas rester 4-5 heures ici. Histoire fiscale. Ah, venez là. C'est quoi, Myriam? Wesh. Arrête, Younes, c'est bon, calme-toi. Calme. Eh, on t'ouvre la porte, mais dis wallah que tu fais rien. Comment ça, je fais rien? Dis wallah que tu vas rien nous faire. Je fais rien, ouvrez la porte. T'es derrière la porte? Oui, je suis derrière. Ferme tes yeux. Vous êtes vraiment pas gentil. Ferme la porte. Ferme ma clé. Vraiment mort. J'espère la vidéo vous aura plu parce que là en tout cas ça part en n'importe quoi. Eh, mettez un max de likes pour le prank qu'on vient de faire. Franchement, c'est une dinguerie ce qu'on vient de faire. Vous êtes mort. Ah, vous êtes obligé, je suis.